Hey youyou mes chatons, c'est qui? C'est Caramella qui vous revient pour un nouveau vlog. Le vlog numéro, je vous écoute, 181. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 19 janvier. Il est exactement 10h pétante. Je suis levée depuis une demi-heure, je suis devant ma fenêtre de cuisine. Eh oui, alors attention, c'est parti. Pour ce nouveau vlog, c'est parti! Tout est décousu! Ah là 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 là! Regardez, mais il y a des nouvelles petites poupoules! Regardez ce que je regarde! Il y a du monde ce matin. Et elles ont couru contre le grillage parce que le petit monsieur met des graines. Mais il y a le grillage, les fifilles. Il y a une mémère qui est là. Hop. Et il y a toutes ses sœurs qui sont là. Petite grise. La grisouille, elle est là. Nénette. Regardez, il y en a une petite nouvelle. Elle est noire et blanche. Alors, je ne sais pas combien de poupoules ils ont. Ils doivent en avoir une dizaine. Une dizaine de fifilles. Elles ont couru du fond du machin. Trop mignonne. Il fait exactement 0 degré. Hop, elle va où ma grisouille? Elle va dans les feuilles mortes. Ouais, ne va gratter dans les feuilles mortes. Petite mère. Elles sont à croquer. J'aimerais bien avoir des poules. Petite chérie. Il fait exactement, oui, 0 degré. 0 degré et un temps gris. Mais bon, on adore, on adhère. Allez, je viens de prendre mes médicaments. Veuillez m'excuser pour cette introduction un peu décousue. J'étais mort de rire. Les voir les fifilles courir vers le grillage. Allez, c'est parti. On va où? On va à la douche. Non, mais vous venez pas avec moi, hein. Faudrait pas vous faire peur. Allez, à tout à l'heure, mes chatons. Allez, 10h30, je me mets sur les réseaux sociaux. Je suis douchée, habillée, voilà. Parfumée, j'ai mis un petit gloss en guise de baume à lèvres. Ma petite Brigitte, hier, j'ai pas eu le temps de te faire ton petit colis. Donc, Béatrice de maison. Ma petite Béatrice. Je me trompe. Excuse-moi. Ma petite Béatrice, je vais te le faire aujourd'hui. Avant de partir en course, comme ça, je le déposerai avant d'aller au drive et à Decathlon. Ne t'inquiète pas. Voilà. J'étais encore en train de fouiller dans mon make-up. Ah là 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 là. Je te le dis. Incorrigible. Allez, je me mets sur les réseaux sociaux, je réponds à vos doux commentaires. Vous avez déjà adoré le vlog numéro 180, je vous remercie vraiment beaucoup. Et puis, n'oubliez pas, hein, ce concours est terminé, mais à 9000, qui est bientôt, je croise les doigts, eh bien, je refais un gros paquet de maquillage. Le stock que je vous ai mis de côté va s'effondrer rapidement et j'en suis ravie. Allez mes chatons, je suis à jour dans mes commentaires, il est exactement, hop là, parce que j'ai le colis de ma petite Béatrice à faire. Il est 11h15, je vais aller me pomponner, les petites mésanges, trop mignonnes. Vous bagarrez pas les filles, je vais aller me pomponner, je vous montrerai ce que j'ai mis ensuite, et je fais le colis avant manger de Béatrice. Alors voilà, je suis prête, pomponnée, maquillée, il est midi moins 5. J'étais avec Kidou aussi parce qu'il a appelé le monsieur pour la nouvelle voiture d'occasion. Parce que on reçoit encore des documents alors que tout a été signé. Et ce sont les mêmes, donc il a dit qu'il allait voir ça avec son groupe. Ah, j'ai l'œil qui pleure, excusez-moi. Allez, je vous montre comment je suis habillée, bah tout simple, hein. Un petit haut de la marque Leclerc que j'avais eu à 4,99 en coton bio, très très joli, très doux, j'aime beaucoup, assez chaud. Et puis j'ai mis le jean que j'ai commencé hier, voilà mes chatons, toujours Leclerc, et 14€ au lieu de 34 ou 36, je ne sais plus. Je vais mettre en chaussures, je vais mettre
Il fait froid, mais je suis en voiture, donc je vais mettre celle-ci. Voilà, il y a du Bordeaux. Je les avais eues à moins de 10 euros sur Vinted. Voilà, elles sont toutes en cuir. J'aime beaucoup. Et elles sont très confortables. Alors, en make-up, voyons mes chatons. Donc, en boucle d'oreille, j'ai rien changé. Hop, toujours celle-ci de AliExpress. Voilà, oui, j'ai mis du doré. Bon, je mélange les teintes, enfin doré, argenté, et voilà le make-up. J'ai fait un make-up et ben prune violacée, couleur lit de vin en fait, un peu comme mon haut. Voilà, vous avez vu ce make-up, très joli, petit highlighter bien estampé avec un blush et un gloss. Pourquoi est-elle floux, de chez Nose. Voilà mes chatons. En bijoux, je n'ai mis qu'une montre et puis une bague en argent que j'avais eu quand même à 45 euros ou 49 à Bijoux Brigitte à l'époque. Attendez, j'ai l'œil qui pleure. Nos actions n'existaient pas ou commençaient seulement. Alors, je vous remontre mon make-up. Voilà mes chatons. J'aime beaucoup. Maëlie, je t'embrasse parce que franchement, ces palettes sont splendides et c'est pas ça qui me fait des réactions. Voilà. Alors, en premier lieu, j'ai mis une eau de Cologne de luxe de chez Grasse, cuir iris que j'ai eu à 4,99 chez Nose. Ensuite, en base de mascara, toujours mon pédailleur AliExpress, 1,89€, ma base blanche. En mascara, elle commence à faire des chips, je le finis et après je le jette. De chez Miss Sporty, j'en ai d'avance. Le Studio Lash, j'avais eu à 2,49€ chez Action. En gloss, j'ai mis le gloss de Complexion que j'avais eu dans un kit de 4 glosses à 4,99€ chez Nose. Voilà. J'ai cette couleur-ci et je mettrai peut-être aussi peut-être celui-ci, alors parce que là je vais manger, donc j'ai mis un gloss et je mettrai peut-être celui-ci, le Meat Matte Huge de chez The Balm que j'ai eu à 2,99€ chez Nose. Voilà, et là c'est le Infectionate. Ensuite, en palette, j'ai utilisé la Fab Factory dans les, je crois que c'est 4,99€ les palettes. Celle-ci est peut-être un peu plus chère parce qu'il y a trois palettes en une. Et il y a une palette pour le teint et deux palettes pour les yeux. Hop. Alors, j'ai pas utilisé ce côté-ci, j'ai utilisé ce côté-là. Hop là. Donc, pour highlighter le dessous du sourcil, j'ai utilisé cette peinte-ci. Regardez, je frôle. Très joli. Ensuite, pour le creux de banane, c'est ainsi. Pour le coin interne de l'œil, c'est ainsi. Vous voyez, je frôle. Hein. Et pour tout l'extérieur de la paupière, c'est ainsi. Hop, je fais attention. Voilà mes chatons, les quatre couleurs que j'ai utilisées de cette palette. Celle-ci est magnifique, regardez. Il y a des reflets dorés dedans. J'aime beaucoup. Et pour le teint, j'ai utilisé la palette teint de la palette. Hop, 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 hop. Alors, j'ai pas utilisé le bronzer. J'ai utilisé cet highlighter-là pour highlighter les joues. Regardez ça. Et ce blush froid, magnifique. Pas poudre du tout. Un peu poudre gel. Magnifique, superbe, superbe, j'adore cette palette. Hop, vous avez vu le... Ah oui, et j'ai oublié, pour faire le liner, j'ai utilisé celui-ci, le mat foncé là, pour faire un petit liner externe. Regardez, j'ai frôlé la couleur, magnifique, franchement, super qualité. Ensuite, eh ben là, j'ai rien utilisé. J'ai mis toujours mon soin de jour Tamalis à 1,99€ chez Nose. Mon primer de chez Action, 1,29€. Mon fixateur biface de chez Action, 1,99€. Oui, c'est ça. Ensuite, mon eyebrow kit Max & More de chez Action, 99 centimes. Ma poudre
Hop, je prends ma poudre compacte. Idylle, 1,50€ chez Noz. Je l'adore. Très bonne petite poudre que j'ai mis sur tout le teint. Ensuite, en concealer, j'ai pas mis ça. J'ai mis mon Paint Point Bella Pierre toujours pour faire tenir les fards à paupières. Mon rouge à lèvres 0,80 de chez P2 pour faire mon bronzer. J'aurais pu prendre le bronzer de la palette, mais vous inquiétez pas, vous aurez un tuto avec cette palette en entier. Et la seconde, la Delicate. Voilà, ça me sert de bronzer, un rouge à lèvres qui ne me convient pas sur les lèvres. Et très belle couleur de... Voilà, je vous ai fait un tuto aussi avec celle-ci. La Delicate Fab Factory. Voilà, magnifique palette également. Franchement, excellente. J'ai mis en anti-cerne de chez Dirty Works, chez Noz. C'était 1,25€, 1,29€, je ne sais plus. Le côté orange en premier lieu et le côté beige en second lieu pour camoufler les cernes noires violacées. J'ai mélangé comme d'habitude deux bébés crèmes, la 20 Under 20 de chez Noz à 1,99€, parce qu'elle est un peu jaune, et celle-ci qui est plus rosée, la claire de chez Inel, marque Repère Leclerc, 3,80€ et des poussières, elle est géniale, il y a 50 ml et j'adore. Voilà mes chatons. Vous savez tout a priori, là j'ai rien utilisé. Voilà, je vous remonte mon make-up. Petit prix. De toute façon, moi, j'ai que du petit prix, alors. Regardez. Vous avez vu cet impact sur les yeux? Et hyper facile à blinder et tout. Hein. J'ai pas mis 3 heures pour travailler mes fards. L'highlighter, le blush. Ce gloss. Voilà mes chatons. Et alors, les fards. On en parle? Magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces palettes. Voilà mes chatons. Sur ce, hop, on va aller petit déjeuner. Je prends, je vais ranger mon gloss. Et puis, je vais mettre le rouge à lèvres liquide mat de chez The Balm. Ça va changer un petit peu, c'est la première fois que je le mets. Hop, je remettrai un petit peu de parfum avant de partir, enfin d'autres colognes. Donc, j'aime bien ranger au fur et à mesure. On va aller manger, bah comme d'habitude, hein, petit déjeuner et tout ce qui s'ensuit, gâteau au chocolat, vous connaissez caramel, hein, sans sa dose de sucre, ça ne va pas. Et ensuite, dès que j'ai fini de manger, je m'attelle à faire le gros colis de Béatrice. Oui, promis, ça part aujourd'hui. Peut-être que là, vous verrez mieux, regardez ça. J'adore. J'aime beaucoup. Allez, c'est parti à table. Bon appétit. Allez, c'est parti. J'ai fini de manger. Je mettrai du rouge à lèvres tout à l'heure. Ma petite Béatrice, je te fais ton colis. Sinon, j'ai pas le droit de sortir. Ah non, 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 non. Je ne sortirai pas tant que ton colis ne sera pas fait. Voilà ma petite Brigitte. Ton colis est fait. Hop, mon kidou vient de rentrer. Voilà. Il est énorme, super bien protégé de la bulle, de l'essuie-tout, etc. Il fait 1,2 kg. Beau bébé. Voilà. Donc je dépose ça juste avant d'aller à Decathlon et d'aller au drive de Leclerc. Allez, je me mets sur les réseaux sociaux, j'ai vu que j'avais quelques petits commentaires. Et puis je dois aussi continuer mon partenariat, ma sélection. Partenariat... Gucci. Et mes chatons, c'est parti. 14h05, bien tassé. Je vous montre ce que j'ai mis. Alors attendez, je vais allumer parce qu'il fait noir là-dedans. Hop. Voilà. J'ai rajouté un petit gilet que j'ai depuis... J'étais encore chez mes parents, donc je vais avoir une vingtaine d'années quand je l'ai acheté. Mais vous voyez, c'est du sans manche et puis ça s'attache pas, donc c'est génial. Voilà, hop, et j'ai mis mes chaussures de chez Vinted, toutes cuir, à moins de 10€. Je suis trop bien dedans. Voilà mes chatons, ma tenue. Allez, on met le manteau parce qu'il fait pas chaud. Mon kidou,
s'occupe de ma griotte. Tu surveilles ma fille. On met le manteau et je vous emmène déjà au Mondial Relais pour déposer le colis de Béatrice. Alors, ma petite Brigitte, ma petite Béatrice, ton colis est déposé et je viens d'arriver à Décathlon. Donc, j'ai une petite liste de ma liste. Hop, hop, hop. Toc. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? J'espère que je ne l'ai pas oublié. Non, elle est là. Il y a un monsieur qui me regarde en face parce que j'ai une caméra. Alors, il me faut une ceinture noire réglable. Je vais en prendre deux. Deux pulls camionneurs, un tour de cou. Et puis après, je regarderai ce qu'il y a en promotion. C'est parti, on y va. Vous venez avec moi? Chaton, 15h10. Je suis sortie. Mon Dieu! Il n'y a pratiquement pas de solde. Et les prix ont doublé. J'ai voulu prendre des t-shirts que d'habitude j'achetais 5 euros. Ils sont à 9 euros. Des trucs qu'on achetait 10 euros sont à 25 euros. C'est l'horreur. Des t-shirts, mon kidou, les t-shirts hommes, pareil, 15 euros au lieu de 7 euros. C'est dramatique, dramatique. Tout a doublé, voire plus de doublé. J'ai pas trouvé les pulls camionneurs. Je suis allée au rayon chasse et tout. Ils y sont plus. J'en ai quand même pour 46 euros. Je lui ai pris deux ceintures noires réglables au rayon chasse à 9 euros pièce. Je lui ai pris un t-shirt à 5 euros. C'est le moins cher et c'est normalement c'était des t-shirts à 3 euros. Je lui ai pris les ceintures, elles étaient à 7 euros, elles sont passées à 9. Les t-shirts de 3 euros sont passés à 5. Je lui ai pris deux pulls camionneurs polaires, mais deux fois moins épais. Ils étaient à 10 euros pièce. Voilà, ça va, là, c'est raisonnable. C'était dans les premiers prix. Et sinon, je lui ai pris un tour de cou à 3 euros. Voilà, voilà mes chatons. Donc, on en est à 46 euros. C'est dramatique. Et alors les blousons, ils ont fait aucune solde de blousons de ski. De franchement, c'est les gens ressortent avec pratiquement rien. C'est choquant. Ouais, les prix ont doublé quoi. Comme partout, je te dirais, mais là c'est vraiment doublé quoi. C'est catastrophique. Bref, très décevant. J'ai oublié de dire. Du coup, bah on reprend la voiture. Quelle heure il est? 15h, je vais aller à Berre. Avant d'aller au drive, je vais aller à Berre, à la SPA, déposer ma couette pour les chiens. Voilà, les chats sont dans un enclos fermé. Il y a un enclos ouvert et un enclos fermé chauffé. Donc, je vais déposer ma couette et je pense que ce sera surtout pour les toutous. Allez, on va à Berre, à la SPA. Pauvre petit bonhomme. Excusez-moi, ça me crève le cœur. Je viens de caresser un toutou, là, il est abandonné. Vous voyez, c'est la SPA, refuge de Saint-Paroi-Tertre. Je viens de déposer ma couette. Et j'étais bénévole avant. Mais bon. D'entendre tous ces toutous hurler de tristesse, ça me crève le cœur. Voilà. Moi, j'ai fait beaucoup de bénévolat. J'étais bénévole à la SPA, à la chatterie Les Amis des Bêtes. C'est là que j'ai eu mes trois chats. J'étais bénévole aussi chez deux vétérinaires. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a des bénévoles. Ils sont en blouson orange et ils promènent les toutous, en fait. Voilà. Et moi, ça, je l'ai fait aussi. Les petits bonhommes. Ça me crève le cœur. Allez, j'ai déposé ma couette. Je nettoie mes lunettes. Je reprendrai des animaux de toute façon, mais on va au drive. C'est parti. Allez mes chatons. Hop, je suis rentrée. Hop, je vais ranger mon rouge à lèvres. Parce que j'emmène toujours, même si je ne fais pas de retouches. J'étais en train de parler à mon kidou de la SPA là et je me suis remise à pleurer. Je comprends pas. Le gros molosse que j'ai caressé, il avait les deux oreilles coupées, quoi, on voyait plus que les trous. Enfin, encore un zonard
pour pas qu'on ait le tatouage, quoi. Voilà. Une personne malaisante et sans cœur qui a fait ça à ce pauvre peut-être petit animal. Et en plus, le chien n'a aucun remords, enfin aucune méchanceté envers l'humain, et il vient, il vous fait des câlins, enfin voilà. Allez, c'est parti. J'ai un petit peu de surgelé, je déballe tout ça et je vous fais le retour de course. Mes chatons, je voulais un petit coup vous faire le haul Décathlon dans le vlog là, parce que j'en ai pour 46€ pile poil. J'ai pris deux polaires, deux ceintures, un tour de cou et un t-shirt. Kidou, oui. Baisse le son, je suis en train de faire la vidéo. Merci. Ou pousse la porte. Je rouvrirai la porte une fois que j'aurai fini de filmer ça. Donc 46€ chez Decathlon, je vous l'ai dit, tout a doublé de prix. C'est une catastrophe. D'ailleurs, les gens ressortaient avec pas grand chose et il n'y avait pas de solde. Hop, allez, on sort tout ça du sac. Tout l'intègre directement dans le vlog, hein, parce que rien d'extraordinaire dans le monde de Caramella. Hop, voilà mes chatons. Alors, en premier lieu, j'ai pris un t-shirt. Tiens, vous voyez, hein, le t-shirt avant était à 3€. Il est à 5 maintenant. Et c'est les t-shirts premier prix. Donc, j'ai pris un noir. Il n'y avait plus de gris à sa taille. 3XL. Hop. 5€, avant c'était les super t-shirts. Il va peut-être être un peu grand maintenant qu'il a maigri. Voilà, donc 5€, et avant c'était 3€. C'est pour le travail, comme ça, ou pour faire un pyjama. C'est largement suffisant. J'ai pris en 3XL. Il est hyper long. Alors là, c'est... J'ai un nom qui raccroche, les gars. C'est la forme large. Vous avez aussi slim, voilà, qui épouse la taille. C'est vrai que maintenant mon kidou pourrait mettre presque du slim. Voilà mes chatons, donc 5€. Ensuite, j'ai pris un tour de cou. J'espère qu'il est passé à 3€. Oui, un tour de cou comme ceci en polaire. C'est la marque Waves. Mettez ça, hop. Et c'est plus pratique que quand vous êtes sur le chantier qu'une écharpe. L'écharpe, elle va se prendre dans le matériel et vous pouvez mal finir. Donc voilà, ça, 3€, impeccable, franchement. C'est son troisième. Avec la barbe, ça s'use quand même. Et puis comme ça, pendant que j'en lave, il en utilise un autre. Voilà mes chatons. Ensuite, j'ai pris deux mêmes ceintures. Il n'y avait pas de taille, il me semble. Made in France. Ouais. Je prends toujours celle-ci. De toute façon, il n'y a pas grand choix. De chez Solowak. Vous voyez, elles sont réglables. Pas besoin de faire de trous. Je les ai payées, les ceintures, 9€. J'espère que ça ira. Il n'y a pas de taille, j'espère. Non. Non, non, c'est toutes les mêmes. Voilà mes chatons, donc mon kidou va regarder ça. 9€ la ceinture. Comme ça, il va pouvoir en garder une pour le travail. Il a déjà les mêmes en kaki pour le travail. Et les mettre aussi avec ses jeans. Comme il maigrit, il peut régler ça à sa guise. Il n'y a pas de trou. Parce qu'il a des ceintures en cuir, mais il faut refaire des trous dedans. Et ensuite, j'ai pris deux polaires comme ceci. Alors, en rouge, il était magnifique, mais il y avait rouge, noir, gris, bleu et blanc. J'ai pris bleu. Ah bah déjà, il fallait prendre dans sa taille. J'ai pris large, 3XL, parce que en dessous, des fois, enfin non, il a un t-shirt et puis il peut avoir autre chose, donc un polo ou quoi. Donc voilà, 3XL. Je vais vous le montrer. Et je l'ai payé 10€ pièce. Alors, il n'est pas aussi chaud. C'est un pull camionneur, vous voyez, comme ceci, avec zipette. Et il existait aussi, voilà, comme ça. Il existait aussi carrément en veste. La même chose, mais en veste. Et c'était 20€ en veste, avec la zipette qui allait jusqu'en bas. Voilà, mes chatons. Très doux, belle qualité. Alors, pas très épais, hein. Pas comme les pulls camionneurs qu'il a en ce moment.
hyper molletonné, le 3 fois plus épais que ça. Ils y étaient plus. Je suis allée au rayon chasse, il n'y en avait pas. Sinon, il y avait des gros pulls blousons, ça faisait un peu blouson. C'était trop gros et c'était quand même 35 €. Donc voilà mes chatons. Donc je vous dis, j'en ai pris 2. Bon, ça va quand même lui tenir chaud. Voilà, 1. Et puis le deuxième qui est là. Donc je lui ai pris bleu également. 3XL. Voilà mes chatons pour ce haul Décathlon. Allez, je range tout ça et après je vais me démaquiller. Oh non, j'ai décidé de me démaquiller tout à l'heure. Je vais rester maquillée pour recevoir Papou, ma sœurette, et peut-être le copain de ma sœurette. Voilà. Oui, c'est mieux comme ça. On aura le temps de se démaquiller tout à l'heure. Là, j'ai une lessive qui tourne. J'en ai mis une en route juste en rentrant des courses. Donc, il y en a encore pour 1h20 à peu près. Pendant que ma lessive tourne, les chatons, je vais me remettre sur les réseaux sociaux, répondre à vos commentaires. Il est 16h45, t'as l'impression qu'il est 20h, tellement il fait nuit. Je suis en train de faire cuire des haricots beurre. Voilà, c'est des haricots jaunes, des haricots verts jaunes. Pour mon kidou ce soir, et puis il mangera du blanc de poulet, ou voilà, comme il veut. Il y a aussi, il reste des mojettes, il reste des spaghettis. Voilà mes chatons. J'attends mon papou, ma sœurette et Franck pour l'apéritif. On mettra des petits apéricubes. J'en ai même resélectionné pour la semaine prochaine sur mon drive. Comme ça, mon kidou peut manger un petit peu pour l'apéritif. Même s'il ne boit pas d'alcool, voilà, il peut participer un petit peu avec nous. Voilà mes chatons. Allez, je me mets sur les réseaux sociaux. Et puis, eh ben moi, je vous dis à tout à l'heure. Allez, mes haricots beurre. Hop. On va mettre la lumière. Sont cuits, je suis en train de préparer l'apéritif. J'ai mis des petits belins au fromage, des petits belins cacahuètes, des apéricubes et des petits gâteaux. Ah bah tiens, d'ailleurs, je vais reprendre un paquet. Je vais aller en chercher un paquet. Hop, on va allumer la chambre. Tuc. Je vais en reprendre un petit paquet, vous savez. Ah ! C'est pas vrai. Un petit paquet comme ça. Oh, mais qui est maladroite, c'est pas possible, Caramella. Vous savez, les petits feuilletés Michel, Augustin et Mental, la Belle Rouge. C'est très très bon ça, et mon papou adore ça. Voilà mes chatons. Pendant que ma lessive, là, elle sonne, je vais aller l'étendre. Petite griotte. J'ai la migraine qui monte là. J'ai fait des haricots beurre, voilà, vapeur. Ils ont cuit 18 minutes quand même au congélateur, au micro-ondes. Voilà mes chatons. Et là, on va étendre le linge. Ce sera fait, il est 17h10. Ce sera pile fait avant que les invités arrivent. Allez, c'est parti. Ça sent bon la lessive. J'utilise laquelle en ce moment? En ce moment, j'utilise la Extra Total 4 en 1. Propreté, fraîcheur et écologie. Voilà. Anti-odeur. Alors, c'est mis 63 lessives. Moi, je ne fais pas 63 lessives avec ça. Hein, parce que je mets un bouchon entier, mais complet. Voilà. Et puis, en adoucissant, en ce moment, j'utilise le Lénor en volée d'air. Voilà, ça sent trop trop bon. Et tout ça acheté, et ben cette lessive là c'était à 60% sur la carte. Et ça c'était, je sais plus, pareil, il y avait des pourcentages sur la carte. Ou c'était de acheter le troisième offert, enfin en promotion, moi toujours toujours. Allez, c'est parti, on étend les lessives avant que mes petits amours arrivent. Voilà, lessive étendue. Du coup, hop, je vais pouvoir mettre dans la machine à laver. Hop,
On va allumer tout ce qui est toc, Décathlon. Hop, comme c'est du foncé, on va tout faire ensemble. Toc. Et je vais mettre le hall Décathlon. Ça, c'est du Décathlon. Et ça, c'est la serviette de bain. J'ai pas eu de place. On va mettre en route. Et puis, je vais mettre une lingette pour rester blanc. Il y en a une. Et un anti. Une lingette. Hop. Anti-décoloration. Hop. Vanish. C'est parti. Parce que là, je crois qu'il y en a besoin. Allez, c'est reparti pour. Une heure et demie de lessive. 20h moins 20, mes invités sont partis, ma sœurette, son copain et Papou, voilà, on a fait un tout petit apéritif, je suis contente, les petits apéricubes, tout le monde a adoré, il en reste encore un tout petit peu, là je viens de préparer, je vais aller me démaquiller et me laver moi, j'ai étendu pendant qu'il y avait mes invités une deuxième lessive, tous les vêtements Décathlon, et je viens de préparer... moi j'ai mangé plein de gâteaux apéro, donc en plus des apéricubes, un bol de soupe pour mon kidou, une pomme, un yaourt nature, je lui ai préparé un peu de beurre frais, il va se mettre un petit peu d'haricot beurre frais, quelques pommes de terre, et là il y a du blanc de dinde. Voilà mes chatons. Moi j'ai une névralgie cervico-brachiale d'avoir porté les courses. Je vous dis à demain sinon, et puis peut-être avec Griotte ce soir. On ne sait jamais, ça dépendra de la miss. Donc moi, je vais à la salle de bain, je vais me laver, je vais me mettre en pyjama, me démaquiller. Et puis ensuite, je m'occupe de ma griotte. Je vais échanger son eau, nettoyer son sable de spécial chinchilla, etc., etc. Bon samedi matin, mes chatons, il est exactement 10h pétante et je suis habillée. J'espère que vous allez bien. Je me suis levée à 9h30. Je viens de me doucher, mettre mon minoxidil crémé sur les lèvres, un petit gloss complexion de nose à 4,99€ le kit de 4. Qu'est-ce qu'on a à faire? J'ai de la vaisselle à vider, une deuxième lessive à détendre et à ranger. Ce sont toutes les affaires de travail de mon kidou. Voilà. Et puis, j'en aurai une troisième à mettre en route ce soir, je pense, ou demain, parce qu'elle est déjà pleine à craquer. Voilà mes chatons. Sur ce, je vais me mettre sur mes réseaux sociaux. Je suis déjà habillée parce qu'il fait froid et il y a du soleil. Et c'est le dernier jour où il fera ce temps-là. Donc, je veux aller marcher cet après-midi. Voilà mes chatons. Du coup, je vais me mettre sur mes réseaux sociaux. Il y a quelques 3-4 commentaires qui sont tombés depuis ce matin. Je vais y répondre. Et je vais continuer mon partenariat Cupshe. Parce que j'ai pas fini de sélectionner les maillots de bain. Oui, les maillots de bain. C'est pas la saison, mais bon. J'ai dit oui au partenariat parce que c'est toujours utile. Et puis... parce que je refuse beaucoup de partenariats. Hein. Je ne sélectionne que ce dont ça peut intéresser ma communauté ou moi-même également. Voilà, qui est vraiment utile. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis bon week-end. J'espère qu'il a bien commencé. Bon courage si vous travaillez ce week-end. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Moi, je me mets sur mes réseaux sociaux. Puis, j'ai des montages vidéo à faire. Hein. Ce vlog, le retour de course pour demain. Il y a de quoi faire, ne vous inquiétez pas. Je viens de vider et ranger la vaisselle, je viens d'étendre et ranger le linge et j'ai fait le sac de travail de mon kidou. Voilà. Allez, je m'en mets sur mes réseaux sociaux. Ouais, 11h10 à peu près.
On est entre 11h05 et 11h10. Je me remets sur mes réseaux sociaux. Là, j'ai fini mon partenariat Cupshe. J'ai fait ma sélection. J'attends une réponse. Et je viens d'allumer mon ordinateur. Voilà mes chatons qui va mettre une heure pour s'ouvrir. Donc, pas de souci. Qu'est-ce qu'on va manger à midi? On va manger des spaghettis avec une escalope milanaise et des légumes. Voilà mes chatons. Je vais regarder s'il y en a assez. Et puis voilà, tranquillement, mais sûrement. Et il fait toujours aussi beau et froid. On adore, on adhère. 11h05, je viens de vider et ranger la vaisselle. Je viens de détendre et ranger le linge. Et j'ai fait le sac de travail de mon kidou. Voilà. Allez, je m'en remets sur mes réseaux sociaux. Ouais, 11h10 à peu près. On est entre 11h05 et 11h10. Je m'en remets sur mes réseaux sociaux. Là, j'ai fini mon partenariat Cupshe. J'ai fait ma sélection, j'attends une réponse et je viens d'allumer mon ordinateur. Voilà mes chatons qui va mettre une heure pour s'ouvrir, donc pas de souci. Qu'est-ce qu'on va manger à midi? On va manger des spaghettis avec une escalope milanaise et des légumes. Voilà mes chatons, je vais regarder s'il y en a assez. Et puis voilà, tranquillement mais sûrement. Et il fait toujours aussi beau et froid. On adore, on adhère. Mes chatons, je suis en train de préparer à manger. Donc, moi, je vais sortir les petites sauces. Là, je vais les finir. Chacun haricots verts, enfin haricots beurre, spaghetti. Je vais manger un kiwi en dessert. Mon kidou, haricots verts, haricots beurre, spaghetti. Un morceau de fromage, une pomme, un petit morceau de pain et escalope milanaise. Voilà, que je suis en train de faire cuire avec juste un tout petit peu de Net & Vie. Et on vous dit bon appétit. Et là, vous avez grande tâche qui est en train de prendre un bain de soleil et se faire les patounes. Ah, elle part. Hein? Là, il y a une petite poupoule, j'ai vu. C'est quelle est la fifi? Juste là. Ah non, c'est pas tout. C'est papa qui part. Ah non, papa, tout c'est qui va. Il va embêter les poules, je suis sûre. Allez, on vous dit bon appétit. Oui, cherche une souris ou un petit oiseau. Mes chatons, il est exactement 15h10. J'ai laissé mon kidou faire une sieste. Je me suis pomponné un peu. Nous allons nous promener avec mon kidou. Donc, j'ai mis un polo à manches longues et un petit pull bordeaux de chez Shein à 10 euros. Voilà, mes chatons. Et puis, regardez-moi ce temps. Il fait trop beau, mais j'espère qu'il fait super froid. Voilà, mes chatons. Allez, on se retrouve dehors, je mets mon manteau et on y va. Mes chatons, eh ben, nous sommes sur le chemin du retour déjà. Moukidou, il marche trop vite. Il a des grandes jambes. Alors, il marche lentement pour lui, mais pour moi, ça marche vite. Il fait froid, mais en même temps, de marcher vite, eh ben, j'ai trop chaud. On a vu plein de minous, trop mignons. Trop contente. Eh oui, allez, dans 10 minutes, même pas, on est de retour à la maison. On est parti tard, hein. J'ai laissé mon kidou faire la sieste. D'ailleurs, je m'étais endormie aussi, moi, du coup. Allez, on se retrouve à la maison, à tout de suite. Ah, mes chatons, 16h moins le quart. Je vais clôturer le vlog là. J'espère qu'il vous aura plu. On a fait une petite balade d'une demi-heure avec mon kidou. C'est pas grand-chose, mais bon, c'est toujours ça. Et puis, l'air est froid, mais le soleil, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien. Mais là, j'ai vraiment le dos bloqué, donc on est remonté. Et puis, on a le cœur un peu triste. Là, il y a un petit chat qui nous suivait. Il était tout maigre, avec des plaques en moins de poils. J'ai regardé, il n'avait pas de tatouage aux oreilles. Il avait un petit collier, il est reparti dans les appartements orange de l'autre côté de la rue. Mais ça m'a stressé, ça. Voilà. Donc, je comprends pas qu'il y ait un peu comme les petits belles, les gens de belges en dessous. Ils ont des animaux, mais ils les soignent pas, en fait. Voilà mes chatons. Ah, pauvre petit bonhomme. Il était trop mignon, il nous causait, puis il est reparti après. Allez, sur ce, moi je vous fais le gros bisou. Profitez bien de votre journée si vous avez encore du soleil. Demain, il prévoit un temps grisâtre avec 10 degrés. Ouais, mes chatons. On vous fait des bisous avec mon kidou.
J'irai à la salle de bain tout à l'heure. Je vais m'atteler à travailler sur mon retour de course pour demain et sur ce vlog. Je vous attends avec les petits likes. N'hésitez pas à me soutenir en cliquant sur s'abonner. Ça fait toujours vraiment très plaisir. Et puis sur la petite cloche pour ne pas rater mes futures vidéos. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très vite.